Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, le retrait des formulaires nominatifs se poursuit à la Sénat. Plusieurs élus, notamment députés et maires, ont déjà retiré leurs formulaires dans le cadre de la présidentielle de 2021. À suivre le compte-rendu. Un colloque international sur les politiques publiques et construction de l'État en Afrique de l'Ouest francophone s'est ouvert à l'université d'Abomey Calavi. Intellectuels et cadres du Bénin échangent sur cette problématique. Vous en saurez davantage. Et puis la lutte contre le coronavirus se renforce au Bénin. Les artistes plasticiens utilisent le langage de leurs œuvres pour inciter au respect des gestes barrières. Vous les verrez. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on part directement pour la Sénat présidentielle 2021. Plusieurs députés ont retiré leur formulaire nominatif de parrainage entre sentiments de fierté et actes civiques. Ils nous livrent leur impression par rapport à cette réforme politique. Ils sont au micro de William Aguiar et Rebecca Kinjaoundé. C'est une responsabilité énorme qui pèse sur chacun des députés et des maires pour donner le parrainage à un candidat de notre choix. Nous n'avons pas, nous, élus du peuple, à donner nos parrainages en échange de quoi que ce soit. C'est des parrainages que nous allons donner sur la base d'un projet de société des candidats. Donc, pour l'instant, j'ai le parrainage, mais aucun candidat n'est encore déclaré. Donc j'attends de voir qui sont, ou bien qui seront plutôt ces candidats-là à la prochaine élection. Et en vue de leur programme de société ou leur projet de société, je donnerai simplement, je n'ai même pas besoin qu'un candidat s'approche de moi, je n'en veux même pas. Je viens, je prends, je donne. Je l'ai reçu gratuitement. Moi-même, je donnerai gratuitement. Ce que nous venons de faire, c'est un acte républicain qui va nous permettre de parrainer les candidats. Et sachez que nous pouvons parrainer celui que nous voulons. Ce n'est pas d'aller parrainer, on nous indique d'aller parrainer. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. On nous a dit d'aller prendre et parrainer qui nous voulons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas d'obstacle pour les candidats. Ça fait des années, des siècles où les pays que nous avons l'habitude de tricher ou bien de copier, je veux parler des grandes démocraties comme les États-Unis, la France, ont déjà pour coutume le parrainage. Mais c'est en 2021 que le Bénin, mon pays, a commencé à le faire. Donc c'est une fierté pour d'abord l'État démocratique dans lequel nous sommes. Je voudrais féliciter la Sénat pour ce dispositif. L'accueil a été chaleureux et on a parcouru 3-4 étapes
Et au finish, nous avons le parrainage. Et je voudrais inviter tous les acteurs politiques que le Bénin vient de faire un pas. Un pas dans ce sens que c'est pour la première fois que nous allons expérimenter le parrainage. Et en tant que député, je rassure aux candidats que nous sommes là. Nous sommes prêts. Les papiers sont avec nous. C'est délibérément et avec joie que nous allons leur signer leur parrainage. Donc le moment venu, nous sommes là. Nous les invitons. C'est un libre parrainage parce que chacun doit s'appuyer sur ses raisons propres pour parrainer qu'il veut. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que je suis venu retirer mon formulaire de parrainage pour participer à l'expérimentation de ce dispositif que nous avons mis dans notre code électoral qui suscite moult polémiques. Pour moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de polémique pour autant que nous savons que cela a été un choix de la classe politique. Et tous ceux qui font polémique aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'ils étaient depuis que nous avions voté cette loi. Ils n'ont pas parlé, puis ils ont attendu quelques mois des élections, 3 mois, pour se réveiller. Je dis que c'est tard. Nous allons l'expérimenter. Et pour tous ceux qui ont peur que ce sera un instrument d'exclusion, moi je les rassure. Moi, je suis d'un parti politique, l'Union progressiste. Mon parti politique, le 16 janvier prochain, va se prononcer, révéler son candidat. Son candidat n'aura besoin que de 16 formulaires de parrainage. Nous sommes 45 députés. Alors, on n'aura pas besoin de prendre tous les 45. On aura besoin de quelques formulaires parce que d'autres partis politiques soutiendront aussi ce candidat. Donc le reste des formulaires, on va en faire quoi? On va les offrir à tous ceux qui sont candidats, des candidats crédibles. Quand je dis crédibles, ça veut dire que la réforme du système partisan que nous avons eu à faire, l'objectif c'est de remettre les partis politiques en selle, redonner le pouvoir aux partis politiques pour que des loups solitaires ne parviennent plus à la tête de notre État. Va devenir président de la République du Bénin est derrière lui une organisation solide. Voyons cette action de l'opposition. Le Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition a vu le jour à Cotonou face à la presse. Les responsables de ce front ont dévoilé les actions à mener pour animer la vie politique béninoise. La cérémonie de présentation des membres de ce front a eu lieu au siège du Parti Les Démocrates à Cotonou. Je vous propose d'écouter Eric Ondété. Il est membre de ce regroupement au micro de Gilles Danseau. Vous êtes nombreux, nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, à souhaiter qu'enfin cette opposition soit unie pour que les objectifs soient réalisés. Il n'y a pas d'unanimité, d'unanimisme dans le monde, c'est vrai. Nous le savons. Mais nous devons tendre vers cela parce que c'est un désir populaire. Ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, nous l'espérons, viendront progressivement. Ceux qui font les pas pour nous rejoindre, faire les formalités pour nous rejoindre, nous les recevrons très rapidement dès ce soir. Mais il fallait que la cérémonie se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais particulièrement saluer les responsables des différentes formations qui animent la vie politique dans notre pays. Je voudrais vous dire merci. Mais en plus, merci pour le cheminement que nous avons fait ensemble pour mettre en place le front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Ce jour, nous venons vous présenter, chers compatriotes, chers amis de la presse, le front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Ce front qui déroulera très rapidement, à partir d'aujourd'hui même, son programme, son plan d'action.
Retour sur l'adoption de cette loi portant organisation des activités pharmaceutiques, une peine d'emprisonnement allant d'un an et 5 ans et une amende de plusieurs millions de francs CFA. C'est l'une des sanctions prévues par les dispositions de la loi portant organisation des activités pharmaceutiques au Bénin. La loi a été votée au Parlement. Guillaume Avienou nous en dit plus. Après les débats généraux en plénière de la semaine dernière, les députés ont adopté ce mardi à l'hémicycle, et cela à l'unanimité, la loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Une loi qualifiée de majeure destinée à encadrer et à réguler le secteur pharmaceutique, se réjouit le gouvernement, initiateur du test de loi. Le document renforce la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé. Cette loi rehausse également le niveau de l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, la traçabilité du système d'approvisionnement des produits de santé, la qualité des produits pharmaceutiques mis à la consommation au Bénin et enfin l'amélioration des soins de santé. Au total, cette nouvelle loi sur l'organisation des activités pharmaceutiques apporte une cohérence à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire relatif à la pharmacie et aux médicaments, conforte le Bénin dans le respect de ses engagements internationaux exprimés à travers la Convention Medicrim, instrument de droit pénal international de lutte contre le trafic des médicaments frelatés que notre pays avait signé et ratifié, permet enfin de renforcer la crédibilité de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale, régionale et sous-régionale au regard des nouvelles exigences en matière de régulation des produits de santé. Des exigences qui ont amené le législateur à bâtir l'architecture du présent test autour d'une demi-douzaine de lois existantes. Le législateur a surtout voulu avoir la main lourde sur la question des sanctions. Pratiquement tous les articles qui sont concernés ou qui sont querellés dans le projet de loi ont été acceptés, mis à part l'article 91 où il est retenu que le contenu de cet article soit modifié de manière à porter le plafond de la peine d'emprisonnement ferme à 5 ans. Ainsi donc, pour des manquements à certaines dispositions de la présente loi, le contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement allant d'un an à 5 ans et peut se voir infliger des amendes à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Et cette main tendue à l'honorable Rachidi Guadamassi, des lits médicaux, des tables et des cache-nez, c'est le don d'une ONG allemande au député Rachidi Guadamassi et le fruit d'un partenariat de vieille date. L'élu de la 8e circonscription électorale est au micro de Doris Olavi. C'est devenu une tradition. Et par le passé, nous avons déjà reçu les équipements médico-sanitaires d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA que nous avons distribués au CHD, au centre de santé communal de Perere, de Ndali, de Tchaourou. Donc, je suis venu ici réceptionner et montrer à mes partenaires qu'effectivement, ces équipements-là sont déjà à Parakou. Et dans les jours à venir, nous allons recevoir également les échographes et plus de 200 lits et tables que nous allons répartir également à travers le pays, à travers la 8e circonscription électorale. Mais ces équipements que vous voyez sont destinés au centre hospitalier départemental de Bouagou et de l'Alboré. Parce que c'est des équipements modernes et qu'on ne peut pas utiliser si ce n'est pas au CHD. C'est des lits complètement électroniques. En dehors de ça, vous avez vu le cache-nez. C'est très important. Au moment où cette pandémie fait très mal à travers le monde et à travers le Bénin, nous avons estimé qu'il faut être proche vraiment de nos populations en leur donnant ces masques-là. Donc, c'est le lieu de remercier premièrement le ministre en charge de la Santé, le professeur Benjamin Nkwati,
Parce que pourquoi le remercier ? Et remercier le gouvernement. Et chaque fois que nous recevons ces équipements médico-sanitaires, il faut l'autorisation, l'aval de l'autorité sanitaire. Parce que c'est eux qui doivent certifier la qualité des équipements que nous recevons. Je remercie également le ministre Adam Bi, parce que c'est vrai, il s'est véritablement impliqué pour le convoi. Et tout ce qui est la prise en charge des transports, il s'est vraiment impliqué. Donc je remercie également les partenaires au-delà qui me font confiance. Parce qu'aujourd'hui, remettre ces équipements médico-sanitaires d'une valeur de plus de 100 millions, il faut vraiment une confiance. Et nous remercions le directeur du CHD et le directeur départemental de la santé. Donc une fois encore, et j'invite les autres partenaires à joindre le pas aux partenaires heureux de là et qui ont déjà investi plus de 250 millions de francs CFA d'équipements médico-sanitaires. C'est très important pour le bonheur des populations. Parce que il n'y a pas de développement sans une population en bonne santé. Et c'est pour ça que nous faisons de l'éducation, de la santé, notre priorité. Eh bien, le député Rachid Igbadamassi était également à l'école primaire publique Tibona pour s'imprégner des difficultés rencontrées par les usagers de cet établissement public. Il en a profité pour faire des dons. Doris Olabi nous en dit plus. Le député Rachid Igbadamassi, toujours à l'écoute du monde éducatif. École primaire publique Tibona, l'élu de la 8e circonscription électorale, s'imprègne des difficultés et des conditions de travail dans ce lieu de savoir. Les conditions de travail de certains apprenants ne sont pas du tout reluisantes. Absence d'abri, c'est-à-dire de salle de classe. Manque criard de table banc. Les bâtiments érigés, grâce à l'effort des parents d'élèves, ne répondent pas aux normes requises. L'école Tibona B est créée en 2010. Elle dispose jusqu'à ce jour un module de 3 classes et 93 tables et bancs pour un effectif de 414 élèves. Les enseignants sont obligés de nous installer à 5 voies, 6 élèves sur un banc réservé à 2 personnes. Certains sont assis à même le sol au C1B. Cher papa, l'école ne dispose pas aussi d'un point d'eau. La réaction ne s'est pas fait attendre. Je prends l'engagement dans les semaines à venir de livrer 114 tables et bancs. Et je prends aussi l'engagement par rapport au cimentage. En tout cas, nous allons demander quelque chose d'ici la semaine prochaine. Maintenant, en ce qui concerne l'eau, je verrai techniquement s'il faut doter les PP du forage ou l'eau de Sodem. Des promesses que le député entend honorer avec l'appui de ses partenaires et le soutien des autorités au plus haut niveau. Nous allons mettre en place notre réseau pour être le porte-parole de l'EPP Tibona. J'ai pris l'engagement de faire un lobby auprès du gouvernement, auprès de la mairie, auprès des opérateurs économiques. Parce que ça ne sera pas honnête de vous dire que seul, j'ai la solution. Mais ce que nous avons fait aujourd'hui, j'invite nos opérateurs économiques, nos frères et sœurs, chacun qui a joué sa partition. Rachid Igbadamassi profite de l'occasion pour faire don de cache-nez, de solutions hydroalcooliques et de ballons aux apprenants et leurs enseignants. Une manière pour lui de contribuer à la lutte contre la propagation
de la COVID-19. À l'université d'Abomey-Calavi, un colloque international politique se tient donc, politique publique et construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone. C'est le thème de cette rencontre, le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Igor Ayosso. Tout premier rendez-vous scientifique de l'année. Chercheurs du Bénin et de plusieurs autres pays ont choisi d'analyser les interactions entre les politiques publiques et la construction de l'État national. Leur champ d'intervention, l'Afrique de l'Ouest francophone. En choisissant d'axer notre colloque sur les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, nous avons fait l'option d'une approche comparative de proximité, de façon précise. L'enjeu pour ma part revient à s'intéresser au processus de construction de l'État national dans l'espace francophone ouest-africain en revisitant et surtout en questionnant la fabrique des politiques publiques depuis l'élaboration jusqu'à l'évaluation en passant par l'exécution. Plus d'une cinquantaine de communications structurées en trois axes sont au menu de ce colloque international soutenu par plusieurs partenaires. Je suis heureux que les organisateurs ont choisi la Fondation Friedrich Ebert être un partenaire à cette initiative. Je crois que ça honore aussi le travail de la Fondation au Bénin. En fait, pourquoi est-ce que la Fondation Friedrich Ebert soutient une telle initiative? Nous, en tant que Fondation, nous sommes présents en Afrique de l'Ouest presque après les années de l'indépendance de beaucoup d'États et particulièrement au Bénin depuis l'année 93, donc presque 30 années ici au Bénin. Et nous avons avoir l'occasion de vivre la transition de beaucoup d'États indépendants de l'Afrique de l'Ouest vers une démocratie, vers un système démocratique. Devant des préoccupations aussi capitales que celles-là, toute université sérieuse se doit plus que jamais d'apporter son entier et inconditionnel soutien à une initiative aussi importante que celle-ci. Je reste persuadé que le cerveau collectif que forment toutes les compétences mobilisées ici enrichira le thème du colloque. Durant trois jours, les participants pourront mieux cerner le contour des thématiques comme élections, projets de société et politique publique, actions publiques, biens publics et services publics, migration, brassage intercommunautaire et construction de l'État. Et puis la lutte contre le coronavirus se poursuit après les artistes chanteurs et humoristes. C'est au tour des artistes plasticiens. Ils sensibilisent à travers leurs œuvres des toiles qui véhiculent des messages et qui appellent au respect des gestes barrières. Une exposition d'art a été lancée mercredi dernier à Cotonou. Axel Dancy, Patrick Yemavo. Promenade culturelle d'un ministre avide de connaissance des œuvres exposées à la principale place Saint-Cécile de Cotonou. Jean-Michel Abimbola s'offre une vue d'un spectacle artistique. Les artistes plasticiens se déchaînent contre le coronavirus à travers leurs œuvres. L'œuvre qui est derrière, je l'ai nommée le respect, le port correct du masque. Parce que la venue de cette pandémie nous oblige à porter nos masques. Et en circulation, nous constatons qu'il y a des gens qui ne portent carrément pas le masque ou qui le portent très mal. Soit ils le mettent au menton ou carrément c'est très mal porté. Donc j'ai fait cette œuvre pour pouvoir sensibiliser la population. Des actions artistiques au profit des acteurs culturels, le Boulevard Art se déploie de ses locaux ordinaires pour le plein air. Sur les toiles, des messages sont véhiculés. L'inspiration y va d'un artiste à un autre. L'œuvre que nous avons, Cordon sanitaire, c'est typiquement ma création qui entre vraiment dans le contexte corona propre au Bénin. J'ai abordé le sujet à travers l'homme que nous sommes. J'ai pris le cas typique du Bénin
avoir le cordon sanitaire qu'a imposé le gouvernement. Puisque le gouvernement est conscient qu'on ne peut pas empêcher des gens de circuler à travers le Bénin. Mais face à cette pandémie, nous sommes appelés à nous révéler. Jean-Michel Abimbola est tout heureux de l'initiative et des œuvres exposées. Ces travaux, fruits de la création d'une quarantaine d'artistes contemporains béninois, montrent la richesse, la variété et la diversité d'une inspiration visant à délivrer le message de nos artistes aux populations, afin qu'elles ne baissent pas la garde au respect des mesures barrières contre la COVID-19, qui est toujours d'actualité. Cette exposition collective, la première d'envergure de l'année 2021, constitue un événement majeur qui fera date et que l'on retiendra dans l'histoire de l'art contemporain de notre pays comme étant l'une des réussites du partenariat entre le privé et le public. C'est une exposition tout à fait surprenante, étonnante. Nous avons vu des artistes en pleine création, avec des styles tout à fait éclectiques, mais avec en toile de fond, bien sûr, le Covid-19. Le virus a été traité de plusieurs façons. Nous avons pu voir des artistes qui se sont exprimés différemment. Le vent du coronavirus continue de souffler. Les plasticiens apportent ainsi leur prière à la sensibilisation anti-Covid-19. Voyons les informations du Bénin. La transition au Mali est sur le bon chemin, estime la mission de la CEDEAO en visite dans le pays. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour retrouver Diary Sow, la jeune Sénégalaise disparue en France. Herman Amega. En mission de haut niveau au Mali, la CEDEAO estime qu'il n'y a pas de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils. Elle appelle au respect de la période de transition, souligne que le processus devra déboucher sur des élections crédibles et transparentes. Dans le communiqué publié à l'issue de la visite, la CEDEAO note tout de même l'insuffisance des consultations menées par les militaires pour mettre en place les organes de transition. Huit jours après la disparition le 4 janvier d'une étudiante sénégalaise à Paris, Diary Sow, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, revient sur l'incident. Rien ne laissait présager une inquiétude de sa part ou bien un état d'esprit particulier. Elle a travaillé correctement pendant les vacances de Noël sur les devoirs et c'est les exercices que ses professeurs lui avaient donnés. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a indiqué. Et elle était confiante aussi pour aborder ce qui restait de l'année scolaire et puis ses concours. Voilà. Les premiers moments d'effondrement sont passés. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment nous mobiliser et pour la retrouver et être aussi aux côtés de sa famille. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que nous avons, c'est dans un état d'esprit d'essayer de nous donner toutes les chances pour la retrouver le plus rapidement possible, la retrouver saine et sauve. C'est ça qui nous intéresse. À l'heure actuelle, toutes les pistes restent envisagées, y compris celle d'une fugue de cette jeune femme connue au Sénégal comme l'incarnation de l'excellence et de la réussite scolaire. Une enquête a été ouverte en France pour disparition inquiétante depuis que Diary Sow, 20 ans, n'a pas repris les cours après les vacances de Noël au prestigieux lycée parisien Louis le Grand, où elle étudie en classe préparatoire. En Ouganda, le président Yoweri Museveni réagit aux critiques internationales concernant la répression du gouvernement contre l'opposition et la fermeture du compte Facebook du parti au pouvoir 2 jours avant les élections présidentielles et parlementaires. Dans un discours télévisé mardi soir, le président Museveni a confirmé la mesure, expliquant qu'elle avait été prise en représailles de la fermeture lundi par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président. C'est malheureux, mais c'est inévitable. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne jouer avec notre pays pour décider de ce qui est bon et ce qui est mauvais.
celui-là, nous allons l'arrêter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux États-Unis, la Cour suprême a donné dans la nuit de mardi à mercredi son feu vert à la première exécution fédérale d'une femme en près de 70 ans. Il s'agit de Linza Montgomery, détenue dans un pénitencier fédéral dans l'Indiana. Elle devrait donc recevoir dans la nuit une injection létale. En 2004, Lisa avait tué une femme enceinte de 8 mois afin de lui voler son fœtus. Sans nier la gravité de son crime, ses avocats avaient souligné qu'elle souffrait de troubles mentaux sévères, conséquences de violences et viols en réunion subies dans son enfance. Fervent partisan de la peine capitale comme ses détracteurs les plus conservateurs, Donald Trump a par ailleurs ignoré une demande de clémence adressée par les soutiens de Linza Montgomery. Ce sera l'un des derniers actes de la présidence. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'actualité à 16h30. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt.